Coucou, bienvenue sur Chanel Scrap. Voilà, je reviens vers vous pour vous montrer quelques petites réalisations que j'ai fait. Donc, j'ai fait deux petites réalisations. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est sur le thème de la couture et de Tilda, bien entendu. Donc, ici, c'est un cintre. Tout simplement, j'ai fait un petit nœud, une petite fleur. J'ai fait un embellissement comme ceci. Voilà. Sur le thème de la couture de Tilda. Je l'ai brodé. Enfin, je l'ai crocheté. Et j'ai fait une petite pochette. Regardez. Donc, je vais vous la montrer après, la petite pochette. Vous verrez pourquoi, à quoi ça sert. Donc ici j'ai mis une petite fleur aussi Tilda, j'ai mis le mot Tilda, une pochette ici que j'ai fait. J'ai rajouté une petite bobine comme ça et j'ai rajouté deux petits trucs de ruban que j'ai superposés. Voilà. Et derrière ça se présente comme ceci. Et sur le côté j'ai fait un petit embellissement. Alors j'ai mis un petite déco avec la petite étiquette Tilda, comme ça, petit ciseau Tilda avec une petite fleur, petit ruban et une petite perle. Et voilà, ça vous donne ceci pour mon premier embellissement. Et cet embellissement sert à mettre et bien tout simplement votre petit maître de couture. Voilà. Donc moi ici, j'ai décoré avec le petit chat, Tilda. Et ça vous sert, le petit cintre vous sert à suspendre dans votre pièce ou autre, hein, où vous avez envie de mettre votre petit boîtier de ruban, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et hop, ici, il y a les petits boutons. Donc vous avez plusieurs sortes. Hein, moi j'ai décoré que sur une face parce que l'autre il y avait des petites fleurs. J'ai décoré juste là. Mais bon, vous pouvez mettre un embellissement aussi sur ça, il n'y a pas de souci. Et ça, vous les trouvez dans un magasin de tissus. Et c'est bien pratique. Voilà. Parce que vous appuyez sur le petit bouton et putain, le tour est joué. Donc moi, voilà, ça va me servir. Je mets mon petit remettre ruban là. Et ça vous donne ceci pour ma première décoration. Donc c'est un porte-ruban de couture. Voilà, de maître de couture. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave. Moi j'ai envie de le dire comme ça. Voilà. Là, pour mon premier embellissement. Et du coup, j'en ai fait un deuxième, exactement pareil sur le thème de la couture aussi, mais tout simplement. Donc c'est pareil, hein, j'ai mis une broderie derrière, j'ai monté sur un cintre, voilà, j'ai mis un petit ruban ici, là, ici j'ai fait un petit nœud avec une petite fleur Tilda, j'ai mis du tulle, j'ai mis un petit embellissement qui est plus petit que l'autre, sur le thème des boutons avec le petit chat de Tilda, un petit nœud comme ça, des petites perles et des petites fleurs là et une image que j'ai crochetée Tilda. J'ai marqué mot Tilda ici et j'ai mis une petite fleur. Voilà, tout simplement. Et ça se présente comme ça et vous pouvez les suspendre puisqu'il y a le petit cintre. Voilà. Voilà, mes petites abonnées. Donc, je vous montre les deux. Donc après ça fait une bonne longueur, hein, donc je vais vous dire ça tout de suite. Ça vous fait du 8 de large. Et avec le cintre, ça vous fait du 23 en hauteur. 8 en largeur et 23 en hauteur. Donc ça fait des jolis embellissements. Voilà, qui se présente. Je vous les remonte encore une fois. C'est pas évident. Et voilà. Et ça vous fait ceci. Voilà.
ça pendouille. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez mes petites abonnées, je vous fais des énormes gros bisous. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap. Bisous, bisous.